Yahoo Buddy Mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être du coup sur une, on va dire un service presse du coup, enfin un colis presse de Meiyan, donc si la suite t'intéresse, continue. Donc en ce qui concerne ces mangas, à savoir que je n'ai pas été envoyé un petit mail, je n'ai pas reçu de colis, c'est plutôt moi qui suis allée au festival de la BD, qui ai vu le stand de Meiyan, qui a été voir François qui gère du coup, qui est là pour les conventions. Et je lui ai dit, écoute, moi il m'a demandé déjà si je lisais les Yuri, et je lui ai dit, j'en lis, mais j'ai pas encore lu les tiens. Et du coup, je suis repartie avec le tome 1 de presque tous les Yuri que je ne connaissais pas. Il y a eu deux autres titres qui ne sont pas des Yuri, dont surtout le dernier qui a été offert totalement par François comme ça, en mode spontané. Et voilà, donc merci François, celui-là, vraiment, je vais le garder encore plus précieusement que les autres titres. C'est vraiment lui qui a eu l'idée, et donc... Moi, tu sais comment je suis comme ça naturellement, donc voilà. Bref, donc on va parler d'abord de Sleepy Princess in the Demon Castle. Donc ça, c'est un manga où on suit les aventures d'une jeune fille qui a comme seul but, en fait, c'est de redécorer sa chambre, etc. Et à savoir que mon ami Dragmar a déjà fait une vidéo présentation de ce titre. Je ne l'avais pas vu à l'époque où le manga est sorti parce que Dragma a recommencé YouTube après le festival de la BD. Voilà. Et moi, j'avais totalement craqué sur les couvertures, donc je m'étais dit pourquoi pas tenter. Donc, en gros, il n'y a pas de doute, la princesse est bien réveillée, l'heure est grave, alors que les humains cohabitent tant bien que mal avec les démons. Saïlis. La princesse humaine est kidnappée par le roi des démons et séquestrée dans son château. En apprenant l'enlèvement, le peuple est furieux. Certains hommes, parmi les plus courageux, se lancent dans une mission de sauvetage pendant ce temps. Dans sa prison, la princesse Salicis s'ennuie ferme. Elle a bien d'autres... Elle n'a rien d'autre à faire que dormir, mais la piètre qualité de son lit ne lui permet pas de passer de nuit reposante. Elle décide donc d'utiliser les ressources dont elle dispose pour améliorer sa qualité de vie et surtout de sommeil. Découvrez le premier volume de la grande épopée de fantasy comique sur la princesse Saïlis, je ne sais pas trop comment il faut le prononcer, à la recherche de la nuit, d'une bonne nuit de repos. En tout cas, la qualité de dessin est super sympa. Et par contre, à savoir que donc il y a pas mal de mots qui peuvent prêter à confusion avec un rapport. Comment dire? Comme quand on dit qu'une personne a l'esprit mal placé quand tu dis quelque chose et que tu comprends autrement, ça va être apparemment ça énormément présent dans la série. Donc voilà. Après ça, c'est ce que du coup Dragmar a dit dans sa vidéo. Je mettrai le lien, bien entendu, dans la barre d'infos. Donc, côté Yuri, j'en ai eu 4. Il y a Tadokoro-chan. Donc, voilà la couverture. Il n'y a pas de résumé. Alors, Tadokoro est une fille ordinaire qui dessine toujours dans un coin de la classe. Nikaido, elle est belle, intelligente et... la coqueluche de ses camarades, tous les opposés pourtant, ensemble, elles vont se promener après les cours, lire des mangas et bousculer doucement vers un idylle secret. J'adore la qualité des dessin, je l'avais vu. Elle est plutôt originale, je trouve, la qualité de dessin, et ça me fait penser à Mon ami des ténèbres. Je trouve la fille, elle me fait penser à ça. Voilà. On continue et on y est avec I'm in love with the villainess. Ouais. Donc voilà le titre. Rei Ohashi. Alors, Rei Ohashi est une employée de bureau surmenée qui se voit réincarner dans son jeu de drague préféré, Revolution. Son nom de héroïne, Rae Taylor. Pourtant,
ce ne sont pas les princes du jeu qui l'intéressent, mais la méchante noble Claire François. Après de nombreuses heures de jeu dans le monde réel, Ray réussira-t-elle à se rapprocher de la dame Claire grâce à ses connaissances du jeu et son amour pour elle? Une comédie romantique trépidante dans un monde fantastique. Vous trouverez également un bonus d'une histoire courte écrite par Inori, l'autrice de l'œuvre originale. Voilà. Donc ça, je trouve ça cool. Ça fait un peu penser à tous ces mangas où la jeune fille se retrouve réincarnée dans son jeu vidéo, mais cette fois-ci, elle cherche à séduire la fille, et ça, je trouve ça trop cool. Vraiment trop cool. Bon, c'est pour ça que j'ai demandé à François pour tous ses avoirs, parce que vraiment, c'était des titres qui m'intéressaient. Alors par contre, j'avoue que je n'avais pas lu, du coup, les extraits. Voilà, donc j'ai pris le risque, mais j'avais vraiment envie. À savoir que l'anime est disponible sur Crunchyroll. D'ailleurs, beaucoup de titres de Meiyan sont adaptés sur Crunchyroll, je trouve ça fantastique. Vraiment. Voilà. Et je te mets une petite page comme ça. On continue avec le troisième qui est notre été éphémère. J'ai vraiment adoré l'ensemble. Alors, Shizuku, une jeune lycéenne asociale, termine enfin de rédiger dans le plus grand des secrets un roman tragique. S'apprêtant à se débarrasser de ses écrits sans avoir laissé quiconque les lire, elle croise Kaori Asaka, une de ses camarades de classe qui s'empare de son œuvre et file sans demander son reste. Shizuku s'attend à ne revoir que du mépris de la part de Kaori, mais à sa grande surprise, celle-ci fait un retour des plus inattendus. Un récit doux et tragique entre deux jeunes filles, le temps d'un été. J'ai été conquis vraiment par les résumés, c'est un truc de dingue. Donc là, je suis peut-être allée un peu trop loin. Et la qualité de dessin à chaque fois est grandiose. Je trouve ça tellement beau. Ouais, je t'emprunte ça. Voilà. On termine avec le dernier Yuri qui est The Moon on a Waning Night. Je crois que je vais limite devoir prendre des cours d'anglais pour savoir prononcer les noms des mangas. Un soir, juste avant de sa rentrée au lycée, et alors qu'elle se rendait à son cours de piano, Saki bouscule une fille et s'écorche la main en tombant par terre. L'inconnu la regarde fixement, sans dire un mot, ramasse soigneusement les partitions tombées et lui donne même un pansement. Il s'avère que celle-ci est l'une de ses nouvelles camarades de classe, Canon. Devenue sourde, alors que Canon prend ses distances avec les autres élèves à cause de son handicap, Saki essaye tant bien que mal de la comprendre pour l'approcher. Petit à petit, Canon s'ouvre peu à peu à elle. Quand les obstacles invisibles laissent place à des sentiments inestimables. Donc ça, j'adore parce que ça fait très vibe des mangas où on parle de romance avec handicap. Ça fait très vibe aussi A Scene of Affection, etc., etc. Donc j'adore l'idée. Et puis la qualité de dessin, par contre, celle-ci, c'est la plus belle, je pense. Pour moi, en tout cas. Si on rend les 2-3 premières pages, là, je suis vraiment sur le début pour... «
On termine donc cette vidéo avec le cadeau offert par François. Donc, c'est un manga qui m'intéressait, mais j'ai jamais passé le cap de le demander parce que j'ai tellement aussi de choses à lire, etc. Mais étant donné que le titre est en 2 tomes seulement, je me dis pourquoi pas. Donc là, il m'a offert le tome 2. Je n'ai pas le tome 1, tout va bien. Alors je sais qu'on peut les lire sans lire l'autre, mais il y a quand même un fil rouge, enfin un fil conducteur. Donc du coup, je demanderai le tome 1 prochainement à Meyane. Enfin, comme c'est un titre halloweenesque, je pense que je vais quand même le demander avant cet été, un truc comme ça, pour pouvoir le lire. Parce qu'en 2 tomes, je me dis c'est rapide, facile, etc. Et comme tu le sais peut-être, je le redis au cas où, mais cette année, j'essaie de lire un manga Halloween par mois pour avoir un petit peu d'avance du coup pour le Halloween Manga Challenge, en me concentrant uniquement sur les séries très très courtes. Donc là, j'ai déjà lu 2 titres des éditions Manabook. En mars, il y aura du coup des éditions Soleil Candy Fleury, et donc celui-ci. Donc c'est Magica, donc le tome 2. Donc lui, c'est en artbook, voilà. Il est au prix de 14,95€ et il est juste magnifique. Et il est tout en couleur aussi. Voilà. Je te montre quelques pages. Et c'est un manga assez spécial parce que je trouve que ça change des mangas dits classiques. Quoique, il y a des pages normales. Ok. Il était une fois un beau magicien. Il n'était pas de ceux qui accomplissent des miracles ou sauvent des vies. Sa seule magie était de prendre l'éclat de la vie et des chemins parcourus pour transformer en de magnifiques pierres précieuses. Les histoires que vous trouverez ici sont celles contenues dans ces joyaux, véritables trésors de l'univers brillant de 1000 feux. Ainsi se lève le rideau sur les contes des fées fantastiques qui feront une nouvelle fois frémir votre cœur. J'adore la façon dont c'est écrit, le résumé, et voilà, pour l'arrière comment c'est fait. Je trouve ça très beau. Et je te montre l'intégrale de la jaquette. Voilà. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à me dire quel est le Yuri qui t'intéresse le plus. Je te retrouve donc bientôt pour te parler de tous ces titres. Je te retrouve aussi très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les éditions Meyane. La précédente vidéo du coup avec mon colis que moi j'avais demandé. La playlist Meyane. Et sur ce, à bientôt. Et n'oublie pas les réseaux sociaux et plus de détails en barre d'infos.